Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes de notre région en tant que conférenciers ou mentors. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie Collin. Bienvenue à Histoire d'entrepreneur. Cette semaine, j'ai été à la rencontre du Dr Audrey Lépine de la clinique Lépine et Bernier de la Chute, ainsi que des deux propriétaires du Code Rouge, Cynthia Gauvin et Isabelle Lamoureux. Aujourd'hui, à Histoire d'entrepreneur, je suis fier de vous présenter le parcours de Dr Audrey Lépine, dentiste. Bonjour Audrey. Bonjour Jimmy. Donc Audrey, avec des oncles, un frère, un père, une mère, tous en affaires, on peut dire que tu as l'entrepreneuriat dans ton ADN. Faut croire que oui. Donc, tu es native de La Chute. Oui. J'aimerais que tu nous parles du parcours qui t'a amené à être aujourd'hui propriétaire de ta clinique de dentisterie. OK. Bien, dans le fond, c'est ça. Je suis née ici à La Chute. Je suis la plus jeune d'une famille de trois enfants. Mes parents ont rapidement été propriétaires d'une résidence de personnes âgées à Saint-André. Donc, dès mon 1 an, je me retrouvais en dessous du bureau de ma mère. On a passé notre jeunesse là-bas, à la résidence. C'était comme notre deuxième maison. OK. Puis, rapidement, on a participé aux tâches de la résidence. J'avais 3 ou 4 ans à ma fête, j'avais eu un petit chariot pour aller faire le ménage. Nice. Fait que là, je passais d'une chambre à l'autre pour les résidents avec la femme de ménage attitrée. Puis on faisait tout ça, je faisais la cuisine, on servait les résidents aux tables. Donc, tu avais plein de grand-mères et de grands-pères. Exactement. Sur place. Nous, on n'allait pas à la garderie, on allait en résidence. C'est cool. Fait qu'on a passé vraiment. Tu sais, moi, mes souvenirs de jeunesse sont là-bas. Puis, ce qui a fait en sorte aussi de comprendre un peu une entreprise, comment ça fonctionne. Plus les années avançaient, nos parents nous donnaient des tâches. J'ai passé là, de couper le gazon, le weed eater, les fleurs peinturées, à réparer, faire de l'entretien intérieur aussi. Quand c'était trop compliqué, là, je faisais les appels de service. Besoin d'un plombier, d'un électricien. OK, quand même, donc tu avais certaines responsabilités. Ouais, j'ai vraiment touché à tout. Donc, j'ai fait ça là, jusqu'à temps que j'avais besoin d'une job d'été, en fait. Puis, ma mère me donnait des tâches du lundi au vendredi. Souvent, le mardi, j'avais fini. Okay. Fait que là... efficace, t'es efficace. Ouais. Fait que là, il fallait qu'elle me trouve d'autres choses à faire. C'est pour ça que là, les tâches administratives ont embarqué. Fait que là, les payes, la comptabilité, conciliation bancaire. Wow. OK, à quel âge? 14, wow. 15. OK. Écrit des chèques, j'y signais pas, là, mais ma mère les signait. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai comme vraiment appris l'administratif. Ça. Ouais, puis j'aimais ça. On faisait les commandes. C'était vraiment très, très complet. Fait que là, ça occupait mon temps. Oui. Mais je trouve que c'est tellement une belle marque de confiance de tes parents aussi. Là. Exact, oui. Puis c'est sûr que étant dans cette entreprise-là depuis comme depuis le début, c'était comme naturel aussi pour moi. Donc, sachant aussi, ben là, avec le temps, je savais que je voulais être dentiste par des expériences positives. Ça a toujours été clair pour toi. Ça a toujours été clair pour moi. Dès l'âge de 8 ans, je savais que je voulais être dentiste. Je savais que je voulais ma clinique. Okay. C'était évident. Donc, j'ai fait mon parcours secondaire au séminaire Sacré-Cœur. Mm-hmm. Ensuite, j'ai fait mon cégep à Saint-Jérôme. J'ai fait application en médecine dentaire. La médecine dentaire est offerte à l'Université de Montréal et à l'Université Laval à Québec. La première année, j'ai pas été acceptée. C'est très contingenté comme absolument, la médecine générale. Absolument. Hein? Les quotas sont assez élevés. Donc, j'ai rebroussé mes manches et je me suis dit, ben, je vais faire une année en psychologie à l'Université de Montréal pour augmenter les notes. Puis ça reste que la psychologie reste toujours bon dans la vie en général. Ouais, ouais, ouais. Mais la persévérance... L'année d'après, j'étais même pas encore acceptée. J'avais juste mon appel pour mon entrevue. J'étais convaincue que j'allais l'avoir. Okay. J'étais déterminée, c'était sûr que ça allait fonctionner. Donc, j'ai été acceptée à l'Université Laval, à Québec. Je suis partie 4 ans. Je revenais toujours les fins de semaine.
Parce que je suis proche de ma famille, mes amis, mm-hmm. tout ça. Fait que pour moi, c'était important de revenir le plus souvent possible. Mais j'ai adoré ça. Québec, wow! 4 années qui ont passé en okay. un éclair. Et puis, rapidement, je voulais connaître comment une clinique dentaire fonctionnait. Dès la fin de ma première année de médecine dentaire, c'est ici que je suis venue porter mon CV à Dr Dubé, qui venait d'ouvrir sa clinique en octobre 2008. Okay. Et puis, je suis venue porter mon CV. On ne s'est pas rencontrés, mais il y avait mes coordonnées. Il m'a appelé. J'étais à Québec entre 2 examens. Il me dit « Ah, j'ai un bon feeling. Viens me rencontrer. Tu vas travailler avec nous cet été. » Parfait. Fait que là, dès juin, j'ai commencé ici. J'ai fait 2 années consécutives, 2 étés consécutives là, à travailler. Secrétariat, tâches de laboratoire, stérilisation, rencontrer les patients, de l'assistance. Fait que j'ai vraiment touché à toutes les facettes. Là. Un peu le même pattern qu'à la villa de tes Exactement. Hein? Exactement. Ça, hein? Puis j'ai adoré ça. Oui. C'est extrêmement formateur puis pour ton Absolument, entreprise. Absolument, parce que dans le fond, tu apprends à réparer les dents à l'université, mais tu n'apprends pas comment gérer une pratique. Ouais. Puis, j'aurais pu faire le choix... Gérer un client aussi. Absolument, gérer un patient, c'est pas toujours évident. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pu toucher à tout ça et puis j'ai adoré ça. Quand je rentrais ici, je me sentais comme si c'était chez nous. OK. Donc, l'objectif, c'était, moi, c'est une clinique comme ça que je veux. Les années ont passé. J'ai gradué en juin 2012. Je suis rentrée ici le 3 juillet 2012. Et j'ai jamais quitté la bâtisse. Fait que tu es rentrée comme dentiste. Ici. 10e anniversaire cette année. Exact. Ça passe Exactement. Vite, hein? Ça passe très vite. Très, très vite, ouais. En 2012, tu deviens ici dentiste. Exact. Assurément, ton expérience comme étudiante ici et à la résidence de personnes âgées de tes parents t'a servi dans mon parcours. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, en 2012, tu es ici, oui. dentiste, mais travailleur autonome, pas propriétaire encore. C'est ça. Dans le fond, l'important, c'était de me concentrer mm-hmm. sur ce que je sais faire le mieux, oui. donc être dentiste. C'est toujours un petit peu aussi stressant à 24 ans. Oui. C'est jeune. De commencer. Les patients sont comme c'est toi la dentiste. T'étais oui. secrétaire l'année passée. Ouais, c'est ça. Là, ils essaient de faire le lien. Ouais. Donc, c'était de dire aux patients de me faire confiance, mm-hmm. De bien maîtriser ouais. les notions ouais. qu'on a apprises. Puis d'avoir le saut d'approbation de Dr Dubé était un rassurant, je mène aussi pour Absolument. Puis il y a des choses que j'ai fait la première fois ici que j'avais besoin d'un mentor mm-hmm. aussi pour me supporter là-dedans, de prendre les bonnes décisions, faire les bons ouais. traitements. Puis aussi amener de nouvelles techniques, sans rien enlever à M. Dr Dubé. Parce que ça évolue c'est tellement ça. Rapidement. Donc, même encore aujourd'hui, même après 10 ans, en mm-hmm. fait, c'est déjà plus les mêmes choses. Il faut toujours se garder à jour. Donc, ça a été vraiment, là, dans le fond, de 2012 à 2017, un 5 ans là, de mentorat et de travail ensemble. Là, mm-hmm. pour puis j'ai monté ma clientèle aussi, ouais. parce que Dr Dubé était seul. Donc, C'est ça, lui, il n'était pas prêt à la retraite, donc tu ne pouvais pas récupérer ses clients tout Non, c'est ça, il pensait. Ouais. Mais tu sais, j'ai commencé ici, je travaillais 2 jours et demi. 3 jours, 4 jours. Mm-hmm. Donc, ça a vraiment progressé rapidement. Et puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, les pourparlers de la vente, Dr Dubé, éventuellement sa retraite, ça a commencé les discussions. Puis là, je suis officiellement propriétaire depuis février 2017. Ouais. Parfait. 5 ans. Oui. À mi-parcours de ta vie professionnelle. Exactement. Exactement. Après 5 ans, j'étais propriétaire, là, ça fait 10 ans que je suis dentiste. Parfait. Exact. Donc, dans ta vie de tous les jours, tu fais ton travail de professionnel de dentiste, mais tu dois aussi être gestionnaire. Donc, la conciliation des deux, ça se fait-tu bien? C'est pas facile. Pas facile. Même si je suis à l'aise avec mm-hmm. Les deux, il faut trouver un juste milieu aussi. Quand j'arrive ici le matin, je traite mes patients. C'est sûr que les tâches administratives, ils s'accumulent au courant mm-hmm. de la journée, au courant de la semaine.
Donc, c'est pas nécessairement entre deux patients que j'ai le temps de faire ça. J'essaye le plus possible de trouver des moments pour le faire. Sinon, ben, je me trouve le soir en arrivant, les enfants sont couchés, ou samedi matin avec mon café, puis je trouve le moment pour combler tout ça. Ça me fait toujours penser à ma mère qui faisait ça aussi les samedis matins. On se trouve des petits moments. Ouais. Puis, en fait, c'est que j'ai décidé de tout faire aussi. Ouais. J'ai décidé de tout faire parce que je suis capable de le faire, puis je veux le faire. Mm-hmm. Puis ça me tente. Oui, puis il y a une satisfaction à bien tout gérer. Exactement. Puis c'est ta réussite. Les ressources humaines, la comptabilité, tout ça, je fais tout ce qui est à l'interne. Donc, c'est ça, je trouve le moment. C'est pas toujours facile. Le plus dur, c'est la gestion de personnel. Oui. Pour la simple et bonne raison que, tu sais, je suis quand même relativement très rationnelle, je fais mes choses, moi, mon traitement de canal, mon plombage et tout ça. Mais quand ça vient avec les filles, avec ouais. le staff, tu sais, je veux tellement que tout le monde soit bien. Il y a le côté émotionnel mm-hmm. qui embarque un peu par-dessus, puis... Mais c'est toujours de garder le côté humain. C'est ça. Moi, c'est ma priorité, autant quand je suis avec mon patient que quand je suis avec l'équipe. Ta formation psychologie te sert. Ma formation psychologie me servit. Oui. Donc, j'apprends encore. Oui. Je pense que je fais de mon mieux. C'est pas toujours facile. Non. Mais est-ce que je changerais quelque chose? Non. Absolument que je voulais être entrepreneur, propriétaire de ma clinique pour autant toucher à ces deux côtés-là. Mm-hmm. Ton petit bonheur de la semaine? Ah, mon Dieu, j'en ai tellement. j'en ai tellement parce que, tu sais, juste d'être ici, mm-hmm. ça fait mon bonheur. Mais principalement quand je vois les filles là, que ça va bien, elles sont de bonne humeur, mon assistante me fait mon petit café, les filles amènent des biscuits qu'ils ont cuisinés, parce que si j'ai pas cette énergie là de la gang, ouais. on n'a plus rien. Non, c'est ça. Moi, ça c'est mon noyau, mes filles qui sont de bonne humeur, qui sont contentes d'être là. C'est une famille. Exactement. Donc on est 10 au total ici, donc c'est vraiment ça. Après ça, pour ce qui est de ma pratique en tant que telle, ben, quand j'ai réussi à vraiment gérer quelqu'un qui était très, très, très craintif, qui voulait plus avoir une anesthésie générale que de venir ici, tu sais, puis là, on a réussi à faire des traitements, puis de le mettre en confiance, là, je me dis, bon, ouais, parce que je pense que la majorité du monde ne sont pas ultra à l'aise à venir chez le dentiste. Honnêtement, 80% du monde n'aime pas ça. Puis là, des fois, ils ont peur, en fait. Puis là, je leur dis toujours, ben vous avez peur de moi. T'sais, je me sens que je fais pas si peur. Mais c'est correct. C'est le traitement qui... c'est l'inconnu. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On essaie d'y aller en douceur, d'expliquer. On fait un petit traitement à la fois. C'est une petite victoire à la fois. Ça fait la différence. Donc, Audrey, une journée type dans la vie du docteur Audrey Lépine. Ça a l'air de quoi? Il n'y a pas de journée type. Dans le sens que c'est toujours varié. Okay. Okay? D'abord, parfois je travaille de jour, parfois je travaille de soir. Moi, je commence là, ma petite routine à la maison, avec les filles, j'ai deux enfants. Okay. Un petit gym le matin, okay. Bien important. Ensuite de ça, j'arrive à la clinique, petit café, on part, on regarde l'horaire. Puis la journée en général, ben c'est tellement varié, puis c'est ça que j'aime de mon travail. Autant on va avoir des grosses chirurgies, des longs rendez-vous, des plus petits rendez-vous, des enfants. Des urgences parmi ça. Il y a des journées, là, je ne suis même pas capable de m'asseoir en avant tellement que ça roule. Puis c'est correct parce ouais. que la journée passe comme ça. Puis c'est vraiment... tu sais, j'adore toutes les facettes du travail. Des fois, c'est vraiment plus stressant. Après un traitement, surtout là, d'une heure ou deux en chirurgie ou en traitement de canal, tu es tellement concentré que tu es vidé après, tu as ouais. comme le cerveau, mais c'est parfait. Fait que chaque journée est différente, puis après ça, ben, le vendredi soir, un petit verre de vin pour closer la semaine. Conclure ça, ouais. ça termine toujours bien. Ouais. Tu es encore une très jeune femme d'affaires, donc beaucoup d'années devant toi. Tu te vois où dans 5 ans, 10 ans, prochain défi? Bien, en fait, sur le long terme, l'objectif va toujours rester le même, c'est de faire prospérer l'entreprise, mm-hmm. Procurer les soins adéquats à tous les patients, à toute notre clientèle de la chute. Donc ça va toujours rester l'objectif
premier. À court terme, c'est sûr que y a des beaux projets qui s'en viennent pour Dr. Bernier et moi. Mm-hmm. On peut pas trop en parler, mais c'est toujours, encore une fois, dans l'objectif de répondre aux besoins de notre clientèle. Donc, d'ici la fin de l'année 2023, on souhaite bien le voir naître, ce projet-là. Et c'est ça qui va toujours, tu sais, aussi nous garder dans le game, si je peux dire, de se nourrir de projets. Donc, puis toujours aussi parfaire notre pratique, offrir des nouveaux soins, se garder à jour. Être toujours les meilleurs. Être toujours les meilleurs, exactement. C'est bien dit. Un conseil pour un nouvel entrepreneur? Se faire confiance. Okay. C'est pas toujours facile. Tu sais, la petite voix, le petit feeling là, qu'on a des fois en dedans, il faut l'écouter. Tu sais. J'ai passé par des hauts et des bas. Ça a relativement quand même bien été. Il y a des gens qui ont peut-être des parcours un petit peu plus rocailleux que le mien. Mais l'important, c'est de jamais lâcher puis de se faire confiance. Prendre les bonnes décisions, s'entourer des bonnes personnes, puis s'écouter, puis respecter ses valeurs. Puis on finit toujours par arriver à ses fins. Bien, écoute, Audrey, ton parcours était ultra intéressant. Je suis sûr que tu en as inspiré plus d'un aujourd'hui. J'espère. Fait que pour tous vos besoins de dentisterie, pensez à la clinique Lépine et Bernier. Exact. Située au 46 Avenue de la Providence. Cool. Merci beaucoup. Merci. Nous recevons les deux propriétaires du pub Code Rouge, Isabelle Lamoureux et Cynthia Gauvin. Bonjour. Bonjour. Donc, les filles, vous vous êtes connues comment? Ça fait environ une quinzaine d'années. On a toujours travaillé ensemble dans les bars. On a travaillé un bon 7 ans ensemble avant de se partir en affaires. Oui. Oui, parce que c'est pas évident de décider de partir en affaires avec une partenaire. Donc, il fallait qu'il y ait une amitié avant. Donc, c'est ce que je comprends bien. Oui. Ouais. Ben, on travaillait ensemble, puis on avait toujours les mêmes idées, puis on a toujours eu la même vision. On se faisait des petits thèmes là, le samedi, fallait on portait une robe différente, des petites choses comme ça. Puis, fait qu'on avait une belle complicité. Fait que quand le moment est venu, ben c'était clair que c'était ensemble qu'on allait le faire. Ouais. Donc, en 2013, vous avez décidé de créer votre propre emploi. Oui, on a eu l'opportunité de louer un bar qui avait tout le contenu du bar. Fait qu'on a sauté sur l'occasion. C'était un bon tremplin pour savoir si ça fonctionnait ensemble et si on pouvait en vivre aussi. Oui. Fait qu'on a loué pendant 2 ans, puis on est parti avec 2000 $ dans les poches. Fait que tout se peut dans la vie. Tout se peut. Fait que, donc, ça a permis de tester le concept avant d'aller vers un investissement un peu plus majeur qui était l'acquisition de la bâtisse ici en 2015 et partir officiellement le pub Code Rouge. Oui, exactement. Mais le bar où ce qu'on louait, il était tellement petit qu'on n'arrivait pas à en vivre, admettons, aisément. Comme, il n'y avait pas assez de clientèle qui pouvait rentrer pour le rentabiliser pleinement. Parce que c'était petit, tu sais. Fait qu'on a décidé qu'on allait Déménager. Ou peut-être partir. On voulait justement peut-être avoir notre propre bâtisse pour pouvoir investir l'argent que ça prenait pour nos idées, là, si on veut. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, avec ici. On a tout rénové ça, on a fait ça vraiment à notre image. Et, toutes les idées qu'on avait, on a tout cumulé ça ici. L'idée du pub, donc la cuisine et le bar, ça a toujours été là dans vos têtes? Oui, bien au début, c'était plus le bar, là. Puis ensuite, on s'est rendu compte que, tu sais, pendant le jour, les 4 à 7, tout ça, les gens avaient comme faim, voulaient grignoter. Fait que on a décidé d'ouvrir une petite cuisine. Mais à ce moment-là, c'était vraiment... on n'en faisait pas beaucoup. Là. C'était vraiment juste plus pour grignoter. Là. Maintenant, c'est autre chose. C'est la totale. Ouais, c'est rendu plus un pub avec nourriture. Pour vous, est-ce que ça a toujours été clair que vous vouliez être des entrepreneurs? Parce que ça reste une vie pas facile toujours, là, t'sais? Bien, moi, oui. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit que je voulais avoir mon bar. J'ai toujours travaillé dans les bars, puis on dirait que c'était mon objectif. Là. Moi, c'est ça que j'aimais. Là. J'aimais ce style de vie-là. Là. Fait que pour moi, oui. Mais est-ce qu'il y avait du monde dans ton entourage qui avait des bars? Le père à une de mes amies du secondaire, elle, c'est là que j'ai commencé à travailler à Laval.
Puis ma mère aussi a toujours travaillé dans les bars. Elle travaille encore aujourd'hui fait que dans pour toi, ça a toujours été clair. Ouais. Tu voulais avoir, tu voulais être en affaires. Oui. Et c'est, ouais, c'était dans le domaine du bar et restauration. Oui. Et toi? Moi, honnêtement, ça a été pour l'argent. C'est bien payant de travailler dans un bar, tout ça. Mais moi, j'ai eu un enfant bien jeune. Fait que, puis séparation, tout ça. Fait que c'était le fun de faire bien de l'argent. Puis, mais l'horaire est moins évident. Oui, c'est ça. L'horaire est pas évident. Les relations de couple, c'est très dur d'avoir une relation quand tu es en arrière d'un bar, pour vrai. Ouais. Fait que j'ai toujours cherché à sortir de là. Fait que j'ai fait un cours en massothérapie. J'ai fait un cours en esthétique. Je suis maître Reiki. Je fais du tifa. J'ai plein d'arts. Okay. J'ai fait, pendant 10 ans, j'ai eu mon salon chez nous. J'étais avec la station beauté à Saint-André. Mais ça, j'ai toujours travaillé dans les bars quand même en même temps. Puis à un moment donné, mon professeur en esthétique a dit, ben pourquoi tu fais ça? Tu sais, t'en as une, job. Puis là, j'ai dit, ben parce que... C'était pas parce que quoi? Ben, c'est en une, parce que c'est pas une vraie job, parce que c'est ah oui, c'est ça. Parce que c'est pas une vraie job de travailler dans un bar. Tu sais, j'ai du fun, puis tu sais, j'ase, puis tout ça, tu sais. Ben je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, c'est une vraie job. Mais c'est ça, fait que j'ai toujours... Ça a comme été un déclic. J'ai juste accepté de... Ça, dans le fond, tu sais. Fait que quand j'ai parti de mon bar, ben, j'ai tout arrêté, le salon, tout ça. Puis, je pouvais pas avoir deux jobs, là. C'était comme trop aussi. Puis aujourd'hui, ben, je suis bien contente de tout ça. Dans votre parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a des moments ou des personnes vraiment marquantes? Bien, premièrement, oui. Là, il y a mon père qui nous a aidés pour la bâtisse. Puis, il a eu confiance en nous parce que c'est quand même des gros montants à investir sans savoir si ça va fonctionner ou pas, là. Sinon, il y a eu son chum aussi. Oui, mon chum aussi, il a investi avec nous. Puis sûrement, tous des bons bénévoles pour décorer et rénover. Oui, ça? Exactement. Oh, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. C'est important, je pense, d'être bien soutenu en affaires. Hein, parce que c'est... Oui, bien, c'est la base. Sinon, ouais. On dirait que c'est un fardeau énorme. Là. On s'en sortira jamais. Là. Donc, le milieu restauration-bar a été extrêmement mis à l'épreuve pendant la pandémie. Vous en êtes très bien tiré, votre épingle du jeu, comment? Oui. Bien, on a décidé de upgrader, si on veut, la cuisine. Fait que là, maintenant, on fait du tartare. On fait plus de publicité pour la cuisine, contrairement à avant. On fait aussi des bouchées pour les groupes, des menus tapas. C'est ça, parce qu'il y a moyen d'organiser un 5 à 7 corporatif. Ouais. Puis c'est un clé en main, vous occupez de tout. Oui, exactement. Là, il y a plusieurs forfaits. On choisit, ça peut venir avec un cocktail de bienvenue. Il y a plein de bouchées, puis on choisit ça ensemble. Fait que, ouais, ça, c'est une belle nouveauté. Donc, en plus de la cuisine qui s'est réinventée, qu'est-ce qui vous distingue vraiment des autres? Votre plus grande force? C'est le choix que de toutes les sortes de bières, de toutes les sortes de cocktails, de toutes les sortes de sangria, on aime ça, toujours innover là-dedans, donc, c'est ma force. Donc, une grande force de votre partnership, c'est votre complémentarité. Oui. Ouais. Bouffe on et... est totalement différents, ouais. Mais on va très bien ensemble. Ouais. Ouais. Ben, oui, c'est ça la complémentarité. Puis pour vrai, tu sais, bon... Toute la chute est cliente chez vous, là, dont moi. Puis c'est vrai, la bouffe est excellente. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surprends-moi sur un cocktail, sur un. Tu sais, ouais, même chose avec ma conjointe. On te laisse aller, puis on n'est jamais déçu. Tu sais. C'est ça. Un conseil que vous donneriez à un nouvel entrepreneur? Il faut mettre la main à la pâte. Ouais, hein? Faut pas compter les heures, puis faut bien s'entourer aussi, surtout. Puis, ouais, faut pas penser que tout va se faire tout seul. Il faut vraiment que tu fasses partie de chaque étape du projet. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Oui. Puis, si tu es capable de le faire à deux, c'est encore mieux. C'est ça. Le principal avantage que vous trouvez d'avoir un partenaire versus être propriétaire seul, c'est? Ben moi, mon anxiété ne me permettrait pas d'être seule parce que ça paraît pas, mais je suis pas mal plus anxieuse que Cynthia. Quand on a ouvert, elle, à 7h moins un quart, elle était encore en train de mettre les lumières. Moi, j'ai fait 3 crises de cœur. Peut-être, ben non! Fait que c'est ça. On est. C'est elle qui me craint le plus. C'est plus facile aussi. On peut, tu sais, se séparer les tâches aussi, là. Fait que ça aide beaucoup. Puis quand il y en a une des deux qui part, bien, on est en confiance.
parce qu'on sait que l'autre tient autant à l'entreprise que nous. Fait qu'on est moins, stressé avec ça. On voit où dans 5 ans, dans 10 ans, les prochains défis ou l'avenir? Encore qu'est-ce qu'on ici, vous souhaite? Encore ouais. ici. On aimerait ça peut-être, la cuisine, encore plus la pousser. Parce qu'on a découvert ça, puis on aime quand même ça. C'est le fun, ça fait une belle ambiance. Là, tu sais, des fois, les 4 à 7 de avant cuisine, c'était un peu plus long. Les gens, ils partaient justement aller souper. Là, maintenant, on a des réservations qui viennent seulement pour manger. Fait que, tu sais, on voit que ça a vraiment changé. Puis faire plus de comme corporatif aussi, là, tu sais, les bouchées puis tout ça, on aime vraiment ça. Puis je trouve que c'est une nouvelle alternative, tu sais, aux soupers qui sont longs, tout ça. Ça fait plus convivial, les gens sont debout. Mm. Fait que ça, on aimerait bien ça. On peut dire aussi que vous êtes deux femmes d'affaires extrêmement ouvertes à essayer des choses, dans le sens où, tu sais, je me souviens, dans le temps de l'impro, il y avait les soirées d'impro ici. Vous avez des soirées d'humour, les lundis. Stand-up. Les soirées bingo de la TVC. Les soirées bingo. Fait que, tu sais, vous êtes vraiment ouvert à accueillir, à des thématiques, donc. Oui. Oui, vraiment. Ben, même... Des Piles, son émission qui est tournée Brave ici. Musique. Ouais, Brave Musique qui est tournée ici. Fait que quand le monde il nous approche, ça ne nous dérange pas d'y aller si. Oui. Puis vos soirées d'humour, il y a plein d'humoristes de relève. Oui. Fait que vous avez fait des belles découvertes dans les dernières années. Ouais, ben c'est vraiment des bons humoristes. Là. C'est rodé. Là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vient compter des blagues. C'est pas un open mic. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est à toutes les trois lundis. Mais je suis sûre que votre plus belle soirée, c'est le bingo. Ah, mais oui, parce que c'est toi qui l'anime. Puis tu nous fais toujours de belles publicités. Ben, on est... Non, mais pour vrai, on apprécie parce que jouer au bingo seul, c'est le fun, mais dans la gang, tu sais, en gang, c'est bien plus le fun. Le choix d'emplacement, est-ce que ça a été un coup de cœur? Ben pour nous, ça a été un coup de cœur parce que on est quand même bien placé aussi à l'intersection. Fait que là, on a une bonne visibilité. C'est sûr qu'on aurait aimé ça avoir une terrasse. Mm-hmm. Mais finalement, on a trouvé une autre option. On a décidé de mettre une porte de garage pour faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Une terrasse intérieure. C'est un beau compromis, là, je pense. Oui. Quand on a ouvert la clé dans la porte pour venir visiter, nous, on a tout de suite eu un bon feeling, là, moi puis Cynthia, mais toutes les autres étaient bien découragées. On avait vraiment une vision parce que c'était comme une coquille vide. Là. Ouais, tout était à refaire, la toiture, tout était. Tu sais, il y avait de la glace sur le plancher parce que ça coulait d'en haut. Là, OK, c'était vraiment. Rénovation majeure. Oui, c'est ça. Fait que ça nous donnait l'opportunité de recommencer à zéro puis de faire ça vraiment à notre goût. Fait que c'est ça. Ouais. Rapport d'inspection, c'est... ça d'épais. On comprenait rien, mais c'était vraiment fini. Mais j'ai demandé au monsieur de l'inspection, j'ai dit, écoute, toi, tu le ferais-tu? T'sais? Puis là, il dit, c'est quoi ton projet? Bien, nous autres, on veut faire un bar. Mais j'ai dit, on veut pas mettre de division, on veut pas faire un appart. Bien, tu sais, n'importe quoi, on veut vraiment un bar. Mais la grosseur, pour nous autres, était parfaite parce que c'est pas trop gros pour avoir trop d'employés, c'est juste comme parfait pour nous deux. Ouais, puis de créer une belle ambiance. Exactement. Puis là, il a dit, ben t'as une bonne fondation, tu sais, t'as des beaux murs en pierre, là, ça coulait pas dans la cave, tu sais, tout va super bien. Fait qu'il dit, fais juste le toit tout de suite, puis ça va être correct. La refait toute, là, mais c'est ça. Isabelle Cynthia, ça fait déjà 7 ans que vous êtes établie. Vous êtes bien rodée. Votre clientèle, c'est qui? C'est tout le monde, en fait. C'est de 18 ans à 78 ans. Il y a de tous les âges. Il y a vraiment... Tout le monde vient nous encourager. Autant le petit gars de 18 ans, il va parler avec le monsieur de 70 ans parce que lui, il était avocat puis il y a quelque chose à y apporter. Tout le monde s'apporte quelque chose ici. Ça, on a beaucoup de... C'est des professeurs qui font un 4 à 7 le vendredi soir. Là, on a les gars de hockey qui viennent prendre une bière après. Les lions après le souper. C'est vraiment mix, on a de tout. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'invite toute la population d'Argenteuil à découvrir ou à redécouvrir le pub Code Rouge. Ses drinks sont illimités. Sa cuisine est merveilleuse. Vous pouvez visiter le pubcoderouge.com pour le menu et visiter à l'adresse... 587 rue principale à La Chute. Merci et c'est un rendez-vous.
Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est fier de vous avoir présenté Histoire d'entrepreneur et poursuit sa mission d'aider les jeunes de la région à s'entreprendre.